Bonjour Pierre Garzon et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire de Villejuif et nous sommes aujourd'hui sur votre territoire, mais où très exactement ? On est dans le parc départemental des Hautes-Bruyères, mais plus symboliquement que ça, on est au pied de la future gare très emblématique, Institut Gustave Roussy, et qui va être une gare d'interconnexion entre la future ligne 14 Sud et la future ligne 15 Sud, donc deux lignes nouvelles du Grand Paris Express, et les deux, surtout, premières lignes de ce réseau à voir le jour à horizon des quelques années qui viennent. Cette bataille de ce que l'on a appelé historiquement le métro de banlieue à banlieue, c'est d'abord donc une première vertu écologique, c'est-à-dire rendre possible l'injonction légitime faite par l'histoire de notre société qui est de réduire absolument l'empreinte carbone de nos déplacements. Le deuxième enjeu, il est celui de la vie sociale, économique. Concevoir la région, non pas avec des pôles de spécialité, à l'ouest on y travaille, à l'est on y dort, mais repenser la ville avec une mixité logement, emploi, commerce, services publics. Et le réseau de transport va permettre cela. L'enjeu, c'est effectivement de rapprocher les territoires, petits et grands, riches et moins riches, d'organiser un rééquilibrage économique et social de la région. Thierry Dallard, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous êtes président du directoire de la Société du Grand Paris. Comment qualifieriez-vous l'ampleur du projet du Grand Paris Express ? Bonjour. L'ampleur du projet du Grand Paris Express est majeure. Les mots et les qualificatifs utilisés régulièrement par la presse en sont une illustration. Ça va réellement modifier les relations territoriales. Ça va totalement faire basculer tous ces territoires dans une autre dynamique. Et c'est souvent ce que j'appelle d'ailleurs l'acte 2 du Grand Paris Express, c'est qu'il y a le métro d'abord, mais il y a aussi toutes ces conséquences d'un point de vue urbain qui seront probablement encore beaucoup plus fortes. Les seuls facteurs qui déterminent la date de mise en service, c'est premièrement les difficultés techniques, et je range malheureusement le Covid dans les difficultés techniques. Le deuxième sujet, ce sont les moyens que l'on peut mobiliser sur les chantiers. Et puis le troisième, c'est le côté humain au sens large, c'est-à-dire l'acceptabilité par les riverains. Et c'est ça qui fait virer le calendrier final. Alors, sur le projet final, certains déplorent un certain déséquilibre d'aménagement entre l'Est et l'Ouest de la région. Le Grand Paris Express en soi est une des réponses apportées par la puissance publique, le gouvernement et le Parlement, à la question du déséquilibre. Alors, c'est toute la question de l'interopérabilité, de la multimodalité des gares, n'ont pas vocation à être un lieu de convergence de voitures, n'ont pas vocation à être un lieu de création de méga-parkings pour faire des parkings relais. Et donc, il faut aussi être modeste dans la conception des aménagements et garder beaucoup de souplesse pour que ces derniers soient adaptables dans le temps. Est-ce qu'on peut résumer le Grand Paris à un agrandissement du territoire de la ville capitale ? C'est plus que ça, je crois. On n'est pas en train de penser une extension de Paris où Paris garderait tout son pouvoir de centralité et où le reste ne serait que le énième arrondissement rajouté à la ville existante. On est en train de parler d'un territoire qui représente une fois et demie celui de la capitale et qui va rentrer dans une logique de pluricentralité, un autre fonctionnement urbain. Et ça, c'est absolument révolutionnaire. Merci beaucoup, Thierry Dallard. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Baudrier, vous êtes administrateur d'Île-de-France Mobilité, et Marc Pélissier, vous êtes président de l'Association des usagers des transports. Que représente pour vous ce projet et qu'est-ce que ce Grand Paris Express va changer concrètement dans la vie des millions d'usagers quotidiens des transports franciliens ? On voit bien qu'on a un réseau en Ile-de-France qui a peu bougé depuis la création des RER dans les années 60-70, et on avait un manque de liaison, notamment de banlieue-banlieue. C'est un projet qui aurait dû être réalisé il y a 30 ans. En fait, on a 30 ans de retard. Ce projet devrait être en service depuis au moins 1990. Ce projet, c'est une grande victoire pour nous. Ça fait 16 ans de bataille. Je tiens à saluer Marc, qui a aussi été de ces batailles, qui a été une cheville ouvrière de ce projet pendant 15 ans aussi. Et au début, vraiment, on nous riait au nez parce qu'on disait « il n'y a pas d'argent ». Je pourrais dire que c'est vraiment une victoire totale, et heureusement pour les usagers, heureusement pour l'Île-de-France, heureusement pour les franciliens. Parce que globalement, l'investissement public en France depuis 15 ans a cessé de baisser du fait de politiques libérales. Et le seul secteur
où il y a eu une augmentation, c'est les transports en Île-de-France, et c'est grâce à la bataille de beaucoup de gens, mais beaucoup des élus communistes. Je me rappelle avoir rédigé un document pour les élus communistes d'Île-de-France en 2005, on disait qu'il faut créer des recettes dédiées de l'argent qui va directement au transport, et c'est ce qu'on a fait, ce qui a permis de multiplier par 30 les investissements. Là, c'est les plus riches qui ont payé, et ça a permis de multiplier par 30 les investissements. Vous avez une inquiétude quant à l'ouverture de ces nouvelles lignes? Certes, il y a un certain nombre de chantiers qui sont en place depuis plusieurs années, mais on a malgré tout des inquiétudes parce que voilà, on sait que ce sont des chantiers où il y a des aléas techniques, et puis il y avait eu, je dirais de façon un peu imprudente, des dates promises de mise en service qui n'ont cessé de reculer. Des calendriers politiques plus que techniques. Oui, évidemment, les mandats des présidents de la République, c'est 5 ans. Donc voilà, au début du mandat, on a lancé un calendrier, et puis c'est la dérive, jamais on le réactualise. Donc probablement, ça sera en 2022 qu'on aura un nouveau calendrier. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, de façon certaine, la ligne 14 au sud jusqu'à Orly, on a bon espoir que le calendrier annoncé de 2024 soit respecté. Moi, je suis plus inquiet sur la ligne 15 sud, où 2025 pourrait être dépassé d'un an ou deux. Et là, je suis encore beaucoup plus inquiet sur les lignes 15 est et les lignes 15 ouest qui vont boucler la ligne. Il faut que la boucle soit bouclée. Et là, moi, j'ai bien peur, quand on dit 2030, j'y crois pas une seconde, que ce soit 2035, voire même 2040. Et ça, il y a des mesures d'urgence à prendre, parce que ça veut dire 10 ans de plus à attendre, c'est une catastrophe pour plein de secteurs. Et il faut de la transparence. La Société du Grand Paris, c'est un conseil de surveillance présidé par un élu, mais où il y a c'est l'État qui a l'essentiel des votes et qui décide ce qu'il veut. Ça, rien n'est public, aucune des déclarations de ce public. Tout ça, c'est de l'argent public. On a le métro, c'est bien. Il y a tout ce qui est autour du métro, les connexions avec les pistes cyclables, probablement la possibilité de garer sa voiture dans des parkings relais qui permettent ensuite de prendre les transports en commun. Est-ce que tout ça fait partie du projet du Grand Paris Express? Est-ce que c'est assez avancé, selon vous, Marc Pélissier? Alors ça, effectivement, c'est aussi un point d'inquiétude. C'est-à-dire que la Société du Grand Paris, son objectif, c'est de construire un métro. Elle le fait plutôt bien, mais elle s'occupe assez peu de ce qui se passe autour. Mais il y a énormément d'intervenants, énormément, mais malheureusement pas les associations d'usagers, qu'ils soient des transports en commun ou les cyclistes, ne sont pas invités. On sent qu'il y a des intérêts contradictoires et qu'un certain nombre de maires préfèrent construire peut-être des immeubles plutôt que de laisser de la place pour les bus ou les vélos. Je pense que les choses sont encore plus graves que ce qu'il a décrit, puisque là, Valérie Pécresse nous a fait voter un schéma qui va, par exemple, c'était sur le stationnement vélo, qui aujourd'hui, il y a 20 000 places de stationnement vélo auprès des gares de France, c'est ridicule, c'est minable, et il en faudrait au moins 10 fois plus, et nous a fait voter un schéma avec 140 000 places. Alors, c'est pas 10 fois plus, c'est 7 fois plus en 2030. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucun des moyens sérieux pour réaliser cet objectif. La SGP n'a pas le droit d'apporter assez de financement. Île-de-France Mobilité n'a plus de sous. Les communes sont exsangues, n'ont plus de sous. Donc, en gros, là, aujourd'hui, c'est parti pour que les gares du Grand Paris Express arrivent autour de Champs de Patates. D'ailleurs, la ligne 14 a été inaugurée au nord, là. Il n'y a pas un stationnement vélo autour. Voilà, c'est nul. C'est vraiment nul. Il devrait y avoir 300 ou 400 places stationnement vélo auprès de chaque gare. Marc Pélissier, lorsqu'on est usager d'un transport en commun, ce qui est très important aussi, c'est le prix de l'abonnement, le coût. Certains, dont Jacques Baudrier fait partie, plaident pour la gratuité des transports en commun. Quelle est votre position sur cette question? Alors effectivement, le tarif est un des éléments qui incite ou pas à utiliser les transports. On l'a vu, il y a un besoin d'investissement important et pas seulement sur le métro du Grand Paris. Et donc c'est vrai que ça nous paraît difficile en parallèle de trouver des financements pour la gratuité. Et à ce stade, si jamais il y avait transfert modal, je dirais que ça nous poserait des problèmes supplémentaires puisque hors pandémie, on a quand même un réseau très chargé et donc on voit aussi pas mal d'effets pervers que pourrait avoir la gratuité. On peut citer également le risque de transfert de la marche et du vélo vers les transports en commun pour des petits trajets. Voilà. On a gagné en 2005-2006 la gratuité pour tous les allocataires du RSA. Il y a 500 000 personnes qui ont la gratuité, des personnes à faibles ressources. On a gagné le pass unique. On a gagné à Paris, c'est les communistes parisiens, on a gagné la gratuité pour tous les moins de 12 ans et maintenant tous les moins de 18 ans à Paris. Et dans le Val-de-Marne, il y a aussi le pass Navigo imaginaire à demi-tarif. Donc on a plein de victoires qui concernent déjà plus de 2 millions de personnes.
Et donc, c'est déjà très important. Alors, il faut aller plus loin. Après, je dirais pourquoi je suis pour la gratuité totale à terme, mais il faut aller plus loin progressivement. Je partage l'avis de Marc Pélissier que la gratuité, si on a accepté le sujet des financements, qui est assez facile à régler en Île-de-France, parce qu'il y a énormément de richesses, donc c'est facile de trouver des financements en Île-de-France. Mais excepté le problème des financements, aujourd'hui, s'il y a la gratuité totale, il y aura une surcharge complète du réseau hors pandémie, donc ce n'est pas raisonnable du tout de le faire tout de suite maintenant. D'accord. La gratuité totale, c'est possible que quand il y aura le réseau du Grand Paris Express entièrement réalisé en 2030-2035. Mais à court terme, nous, ce qu'on va proposer aux élections régionales, c'est la gratuité pour toutes les personnes à bas revenus, tous les allocataires des CMU. Donc ça va dans le sens, et je pense que sur une mesure comme ça, on se retrouvera avec l'association des usagers de transport. C'est ce qu'a la proposition qu'a, de fait qu'a émise aussi Marc Pélissier. Et tous les gens aussi à l'AME, à des niveaux, donc tous des minima sociaux, faibles ressources, au-delà de ceux au RSA. Et puis pour tous les jeunes de moins de 25 ans, parce qu'ils ont aussi massivement très peu de revenus. Donc voilà, on veut des gratuités pour des, en gros, les personnes qui ne vont pas dans les grosses zones d'emploi et de bureaux à l'heure de pointe du matin. Mais après, progressivement, on pense qu'on peut aller sur la gratuité pour tous. Alors pourquoi la gratuité pour tous ? Déjà, c'est un avantage social essentiel. Ça pousse à l'utilisation des transports en commun, c'est très écologiste. Et on pense que l'effet écolo est encore plus fort sur les questions d'aménagement. Après, la gratuité, ça pousse les gens à ne plus avoir deux voitures, mais à habiter près d'endroits de transport en commun. Donc, c'est la meilleure façon d'avoir une ville un peu plus compacte. Marc Pélissier, quand on se place du côté des usagers, ça fait une différence ou pas, finalement, d'avoir des opérateurs privés en concurrence avec l'opérateur public historique ? Il faut que ce ne soit pas l'occasion de diminuer le service, mais peut-être au contraire de proposer des améliorations. C'est vrai qu'il y a des transporteurs en grande couronne, à une époque, en tout cas, dont on aurait souhaité pouvoir les changer et on ne pouvait pas. Bon, quelque part, c'est aussi, ça peut être un aiguillon. Mais nous, en revanche, on est un peu plus réservé à ce stade sur le ferroviaire parce que, effectivement, la mise en concurrence de ferroviaire, c'est plus complexe techniquement et. On n'a pas beaucoup de retours d'expérience en France. Il nous semble que le calendrier de Valérie Pécresse est un peu prématuré. En tout cas, il va falloir étudier ça de façon très fine pour ne pas rajouter de la complexité à notre système ferroviaire qui est déjà complexe. Il y a déjà eu des mises en concurrence, 5 ou 6 réseaux de grande couronne qui ont été mis en concurrence. Il faut voir le bilan. Madame Pécresse, je l'ai appelée Madame Thatcher Pécresse lors du dernier conseil de France Mobilité, parce que là, ce qu'elle elle est de droite. Bon, c'est pas une surprise, mais là, ça devient une droite ultra-libérale. C'est une dérive complète. On nous disait, ça va être l'occasion d'améliorer l'information aux voyageurs, la qualité de service, toutes des demandes justifiées, légitimes des associations d'usagers et des usagers. La vraie vie, c'est quoi ? C'est que systématiquement, ceux qui ont remporté l'appel d'offres, c'est les mêmes entreprises, mais qu'elles ont baissé les coûts. Donc, c'est du dumping social. Donc aujourd'hui, la mise en concurrence des bus en grande couronne, c'est ça, ce que fait Valérie Pécresse. C'est des gens moins payés, moins de bus. Pour le réseau ferroviaire, c'est déjà compliqué sur un réseau ultra dense avec des trains qui roulent, qui se suivent les uns après les autres. Comment envisager qu'avec 8-10 opérateurs différents et des opérateurs différents qui auront des trains sur les mêmes voies, sur les mêmes rails, il y aura un jour, un moment, la ligne D puis la ligne R ou la ligne E puis la ligne J qui vont être deux opérateurs concurrents. Ils n'auront pas intérêt à assurer un service homogène pour les usagers. Ils auront intérêt à expliquer les usagers. Et comment réguler quand il y a des pannes, etc., quand le réseau dysfonctionne, ce qui est malheureusement assez courant. Tout ça va créer un merdier pas possible. On est en train de démolir et la RATP et la SNCF. Comment vous rêvez la mobilité de demain dans la région ? Il y a encore beaucoup de besoins sur le reste du réseau. Il y a des sites propres bus, des TZN, comme on les appelle, qui manquent de crédit. Il y a des projets de tramway, de prolongement de train-train. Puis il y a surtout tout notre réseau RER transilien qui a aussi des besoins d'investissement. On a l'impression qu'aujourd'hui, on n'avance pas sur tous ces sujets de façon vraiment décidée. Et le risque qu'on a, c'est d'avoir dans 10 ans une bonne partie du Grand Paris Express, mais connectée avec des lignes qui fonctionnent encore mal. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 6 000 à 8 000 morts par an du fait de la pollution de l'air. Beaucoup du fait des voitures. Donc ce qu'on pense, c'est que l'essentiel, c'est de baisser de façon assez conséquente la part de la voiture. Ça passe parce qu'une augmentation très forte de la part des transports en commun, qui commence à progresser hein, avec toutes nos nouvelles infrastructures, le pass unique, etc. Mais il faut encore aller beaucoup plus loin, encore 50% de plus de déplacements en transports en commun. Et puis on pense aussi qu'il y a les 10-20 prochaines années, ça va être vraiment la révolution du vélo.
On ne voit que ce n'est qu'un début. Nous, on pense qu'avec le vélo assistance électrique en particulier, le vélo qui aujourd'hui fait 2% des placements, ça pourra être multiplié par 5, 10 et devenir un peu comme Paris est une ville très dense, c'est-à-dire un peu comme Copenhague ou Amsterdam. Donc on pense qu'il faut investir beaucoup plus que ce qu'on le fait actuellement pour les aménagements cyclables. Moi, je suis conseiller délégué de la métropole du Grand Paris aux aménagements cyclables. On va bientôt sortir un plan vélo métropolitain, d'ailleurs, au début de l'année 2021. Et il faut beaucoup investir aussi pour le stationnement vélo. Donc on pense que l'axe avec les transports en commun, sans opposer aux transports en commun, est souvent en intermodalité vélo-transport en commun. Il y a beaucoup de trajets qui utilisent les deux. Aux Pays-Bas, 50% des trajets en train, les gens arrivent à la gare en vélo. Donc voilà, ce n'est pas le vélo contre le métro, c'est le vélo et le métro. Donc on pense que la grande révolution est là. Et malgré, moi je suis élu à Paris, je coordonne les travaux sur l'espace public, on fait plein de coronapistes, on est très volontariste, mais il y a un manque de financement. Il faudrait encore quelques centaines de millions d'euros de plus par an pour le vélo. Et pour l'instant, on est en dessous de la demande justifiée des franciliens. Et c'est pour nous la révolution principale dans les mobilités en Ile-de-France. Et ça fait au moins plus de 10 ans qu'on dit qu'il faudrait que ce soit ça. C'est en train d'arriver et il faut qu'on se batte pour ça. Et moi, je suis pour vraiment qu'il y ait une convergence des associations d'usagers, des associations de cyclistes, parce que c'est, leurs batailles sont les mêmes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci vraiment d'avoir répondu présent à ce débat autour des mobilités et du Grand Paris. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.